Goed, zijn we terug voor de man van de match na deze toch wel redelijk spectaculaire wedstrijd tussen KV Oostende en Antwerp met heel veel inzet. Gewonnen door de thuisploeg, plaatst Antwerp op 8 punten. Dat is niet slecht voor de rangschikking en voor het verloop van de competitie. Man van de match is gekozen door supporters en heren van de pers. Xavier, om de match. Ja, pas la première fois cette année. Deuxième fois. Deuxième fois, très bien. Quelles sont vos impressions après cette victoire méritée, je crois? C'est une très belle victoire, mais c'est surtout la victoire de notre collectif. Tout le monde a fait un très gros match dans l'envie, dans l'engagement. On a peut-être moins bien joué au ballon que d'habitude, parce qu'on est tombé face à une très bonne équipe d'Anvers. Mais on s'est appuyé sur nos bases, une très bonne défense, mais de toute l'équipe. Et puis on a su saisir notre chance sur un coup de pied arrêté comme on a l'habitude de faire. Et puis voilà, et puis on a été très solide en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas été du tout dangereux. Et je pense que dans l'ensemble, c'est une victoire méritée. Cela m'a quand même un petit peu surpris que deuxième mi-temps, on n'a pas vu l'Anvers qui voulait vraiment prendre la victoire ou prendre un point. Est-ce notre mérite? Je pense vraiment que c'est vraiment notre mérite. Je pense qu'ils voulaient, mais c'est surtout qu'ils ne pouvaient pas, je pense. Mm-hmm. Ils n'ont jamais su en deuxième mi-temps prendre le dessus sur nous. Et nous, on a été très, très intelligents dans notre façon de jouer, très concentrés. Oui. Et on a vraiment appliqué ce qu'on avait travaillé toute la semaine. Voilà. Oui. Très bien, très agréable aussi pour assister à un match pareil. Vous connaissez l'histoire, man van de match, de speler krijgt een waardebon van 50 euro te nuttigen in de restaurant Charles Lindbergh. Voilà, Xavier, ça c'est pour vous. Merci. En u weet dat er nog een supporter ook, die heeft deelgenomen aan de verkiezing, deze waardebon verdient, zeg maar zeggen. Dus Xavier. Voilà, we gaan tussen haakjes. Het antwoord op de schriftingsvraag was wie de huidige topscorer is in tweede klasse. Dat is dus Gaillé van Sporting Charleroi. En meneer of mevrouw Penning uit Hammanstraat 27 is de winnaar of winnares van de tweede waardebon van 50 euro. En die mag die komen afhalen op het secretariaat. Die bon ligt klaar. Voilà, zijn er nog vragen? Anders Peter, geen vragen. Goed. Xavier, merci bien. Merci. Et bonne chance encore. Nog afronden, één opmerking. Volgende week gaan we naar Dender. We zijn gelanceerd om onze plaats te pakken, denk ik, voor de eindronde. Dus alle steun zal welkom zijn. We doen dus bij deze nog wel eens een oproep om met zoveel mogelijk supporters deel te nemen aan de wedstrijd in Dender. En onze ploeg daar 100%, 200% te steunen. Dank u wel.